Salut à tous, ici Foski qui vous souhaite la bienvenue pour un nouveau Throne of Gamers. Cette semaine, on va se balader un peu partout dans le monde avec un épisode spécial millionnaire qui sera basé sur le nombre d'abonnés des plus gros YouTubeurs gaming du monde. Et on démarre à la 10ème place avec la chaîne Yoxcast Lewis & Simon qui propose essentiellement du Minecraft et du Garry's Mod. Le style fait un peu penser à celui de l'un qui est Terracid, que je pense vous connaissez un peu plus. Ouais, if you killed him. Oh no, it's really not shit. No! Oh, you fucking asshole. I hate you so much. I'm gonna put you in this bin. Get the council to pick you up. Where's my... 9ème place, c'est celui qui compte le plus de vues du classement derrière le numéro 1 avec un peu plus de 8 millions d'abonnés pour plus de 3 milliards de vues. Ça s'appelle Rooster Teeth et vous connaissez peut-être sans le savoir puisque c'est à cette chaîne que l'on doit le faux trailer du film Angry Bird qui a fortement contribué à leur succès. You're losing your mind today, Ryan. Fact number 3, the air superiority game mode. By the way, that is the least fun game mode. Numéro 8, c'est Captain Sparkles qui propose pratiquement que du Minecraft et à qui l'on doit les vidéos qui ont énormément buzzé comme la parodie de Usher, DJ Godus Falling in Love ou Dynamite de Tayo Cruz. Mais celle que vous avez sûrement déjà vue, même si elle est moins populaire, c'est celle-ci. Dig in Minecraft style. Minecraft style. Dig, 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 dig. Dig in Minecraft style. Minecraft style. Dig, dig, dig. On continue à la 7ème place avec une autre chaîne Minecraft, The Syndicate Project, qui lui est plus centré sur des séries map aventure, mais on peut le retrouver également sur des jeux un peu moins connus comme Reign of Kings. Dude, this is epic! I love this game! Yeah, this is pretty sweet. Right, we're gonna create a sharp rock so if someone ties us up we can get out of it. A beat horn, a horn that plays a noise when used. Sixième place, c'est le Britannique Casey, spécialiste de FIFA, qui a récemment rencontré un acteur que personnellement j'adore et qui n'est autre que Dwayne Johnson, alias The Rock, star qui sera justement à l'affiche de Fast and Furious 7 le 1er avril prochain. This photo, I did indeed meet The Rock. Oh, it was a childhood dream to meet this motherfucker. So damn, I was pumped, man. I was pumped. I only had 4 minutes. Allez, on passe au cinquième qui est espagnol, un Minecraftien nommé Vegeta777 et je vous jure c'est trop marrant de l'entendre parler. J'ai rien contre les Espagnols mais la façon dont ils parlent ça fait juste pas sérieux, écoutez vous-même. Finalizamos las chimeneas y en esta ocasión lo que he hecho ha sido de algún modo integrarlo en lo que sería la isla del Salvador. Y ha quedado tal que así, creo que está bastante bien. Y de momento evitamos que se queme la madera, así que no hay ningún tipo de problema. Y a su vez, hablando de integrar cositas, mucha gente me decía que hiciese una especie de escaleras que comunicasen con la casa que tenemos en lo alto de la montaña. Y por eso he hecho... Et c'est à nouveau un espagnol à la 4ème place, El Rubius, qui propose un petit peu de tout, des chat roulettes au vlog en passant par Garry's Mod ou GTA V. Vale, 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 ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que dar la vuelta entera y creo que lo voy a conseguir, pero soy mi hijo, espérate un momento, Dios mío. ¿Puedes sobrevivir? ¿Por qué siempre me preguntas estas mierdas? Vale, no, 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 otra vez no, tío, otra vez la bomba, no, tío. Esto. Salva a tu hijo. Tengo que salvar a mi hijo. Numéro 3, c'est Skydoz Minecraft, qui d'ailleurs approche des 11 millions d'abonnés et qui, comme son nom l'indique, propose du Minecraft, évidemment, même si on a quand même droit, à l'occasion, à un peu de Garry's Mod. As requested by you guys in the comments below, so if you guys want to comment down below and request a different mod for the next time, then comment down below and, yeah, before we even start this video, I just want to say, guys, thank you so much for all the support you guys have been giving Do Not Laugh. If you guys want to show some more support, make sure to slap that like button and talk about how amazing Chris and the Mike's booty is. Chris is here and he is queer. Alors seconde place, je suis sûr que beaucoup d'entre vous le connaissent, il y en a même parmi vous qui doivent le suivre, c'est Vanos Gaming, qui profite des sorties de jeux et de DLC pour balancer des nouveaux funny moments, avec dernièrement le DLC Yeti de Far Cry 4, l'incontournable DLC de braquage de GTA V et Battlefield Hardline. Here's the couch. Where's it? Yes! Right here.
Yes! Get in, guys. Yes! Are you ready? What? Yes, we're driving a couch! Yeah! Let's go. Yeah. Oh, man. Bon, la première place, ça va être vite fait, hein. C'est un peu le Squeezie version internationale, il est le YouTuber gaming le plus connu dans le monde, j'ai nommé PewDiePie, qui, bah, du coup, j'ai même pas besoin de présenter, on notera néanmoins qu'il compte à ce jour plus de 35 millions d'abonnés, tout de même. You're stone. What the... Ah ah What the fuck? SpongeBob! It's SpongeBob! Look at this, 360, 720 baby, look at that. Look at... Nailed it! Voilà, on arrive à la fin de cet épisode consacré aux millionnaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, salut!